Eh bien, la modernisation de la plateforme du porte-avions Charles de Gaulle a notamment permis à la fois le remplacement des automates de propulsion et de conduite, et également le changement de 2 des 5 groupes de production d'eau réfrigérée du bateau. La sortie des SR4 et SR5, aussi appelés groupes frigo-air, est une opération extrêmement complexe, en raison à la fois de leur taille, mais aussi de leur poids, puisqu'on parle d'un élément qui fait jusqu'à 11 tonnes. Nous avons donc dû découper 2 grandes brèches sur le bateau afin de permettre leur sortie. Les équipes de Brest ont réalisé les études liées aux opérations de manutention et les équipes lorientaises ont effectué les travaux de découpe et de tôlerie sur le bateau, le tout sous la direction du département coque de Toulon. Les brèches des SR sont conséquentes et il a fallu en réaliser beaucoup d'autres à travers tout le navire au cours de cette refonte à mi-vie. Nous avons dû découper dans la coque et dans les cloisons 100 de brèches afin de pouvoir manutentionner divers matériels plutôt volumineux. On voit une brèche ici derrière moi. Une fois que ces brèches de coque sont refermées, les équipes déploient des contrôles de type radiographie pour s'assurer de la conformité et de l'étanchéité des soudures. Les équipes déploient également des contrôles de type ultrason qui, eux, sont basés sur le même procédé qu'une échographie dans le domaine médical. Les travaux de la plateforme du porte-avions ont été nombreux et divers, sans commune mesure avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Ils ont porté notamment sur la refonte totale des cuisines et de la boulangerie, avec la remise à neuf des locaux, dans le respect bien évidemment des nouvelles normes d'hygiène et le remplacement de tous les équipements. Autres travaux d'envergure, la maintenance de l'appareil propulsif avec la visite de 4 turbines HP et BP, haute et basse pression. Pour vous expliquer simplement, les 2 chaufferies nucléaires du porte-avions fournissent de la vapeur, chacune actionnant 2 turbines de propulsion, HP et BP, qui font tourner les hélices et 2 turbo-alternateurs qui produisent l'électricité du bord. Les 4 turbines de propulsion et les 4 turbo-alternateurs ont tous été contrôlés par les équipes de Naval Group Nantes-Indrette, ainsi que les réducteurs et condenseurs du bâtiment. Alors derrière nous, il se passe une manœuvre majeure, c'est la sortie du rotor de la turbine HP de la machine avant. Le rotor pèse 1,2 tonnes, mais c'est un matériel très fragile. Les ailettes sont très sensibles et on est dans un environnement très exigu, donc on prend beaucoup de précautions pour cette sortie de matériel. Naval Group a également assuré la rénovation de l'usine électrique du porte-avions avec la visite des tableaux principaux force, le remplacement des disjoncteurs, la maintenance des 4 diesels alternateurs et des 4 turbo-alternateurs. La visite des diesels alternateurs est une opération importante car ces moteurs doivent prendre le relais en cas de défaillance des turbo-alternateurs pour que le porte-avions soit toujours alimenté en électricité. Ce sont les équipes de Naval Group de Brest qui ont assuré ces visites. L'opération d'aujourd'hui, donc c'est le retournement du bâti moteur. Donc il est, comme vous pouvez le voir, il est presque à nu. Il a tous les éléments, attelage, culasse, chemise, tout ça a déjà été déposé en amont. La seule partie qui lui reste, c'est le vilebrequin. C'est un peu le cœur du moteur. Donc le vilebrequin, il va être déposé à l'atelier des ailes au CA15 à Toulon. Et nous, on va effectuer des opérations de contrôle dessus, des épreuves, pour certifier qu'il est toujours de bonne qualité. C'est des opérations qu'on fait régulièrement, que ce soit sur Brest ou sur Toulon. C'est des visites générales. Par contre, pour le Charles de Gaulle, c'est la première fois que c'est réalisé. C'est une première, voilà. Autre opération capitale de cette refonte à mi-vie, la maintenance des 2 catapultes avec la visite des circuits et robinetterie vapeur, des collecteurs et réservoirs, mais aussi la levée des lignes de cylindres, le nettoyage des fosses et l'ajustage des 88 panneaux de fosses qui recouvrent chaque catapulte. Sur la catapulte avant, les panneaux de fosses ont été changés puisque les limites d'usure prédictives avaient été atteintes. Après avoir optimisé leur emplacement, nous avons religné chacun des 88 panneaux. Les mesures ont été effectuées au 1/10 de millimètre pour respecter les tolérances imposées. Une fois la cotation faite, les panneaux ont été numérotés, marqués et posés définitivement. Les travaux de plateforme incluent également la rénovation du système automatique de tranquillisation et de pilotage, ce qu'on appelle communément le SATRAP, qui garantit la stabilité du point d'envol pour l'appontage des avions. Mais cela fera l'objet de notre prochain épisode.